Bonjour, bonjour à vous. Alors, deuxième vidéo dans cette série de vidéos que je vais consacrer à, donc, on va dire, à des exercices corporels qui ont pour but de développer, de favoriser notre spiritualité. Donc, la dernière vidéo, était consacré à des exercices respiratoires. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux petites vidéos. Je fais cette vidéo un petit peu à l'arraché, vous voyez, j'ai même pas la tige. Je fais ça en plein air, c'est vraiment pour garder le rythme d'une vidéo par semaine. Donc, j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle vibrerdanslunité.fr. En fait, je voulais l'appeler Vibrer la complétude dans l'unité, mais c'est trop long. Donc c'est vibrer dans l'unité. J'ai commencé à mettre quelques articles, un sur la conscience, un sur les chakras et un sur la vibration, les vibrations et comment élever nos vibrations. Et cette série de vidéos sur les exercices corporels fait partie de ces techniques pour élever notre taux vibratoire. Donc, la dernière fois on a parlé de respiration. Aujourd'hui, deux petits exercices. Là, vous voyez, je suis dans la nature, je suis en train de me promener, de promener mon chien. Et donc, le premier exercice, ça va être justement d'utiliser. Alors, on peut utiliser plein de choses. On peut utiliser différentes activités, comme faire du ménage, faire la vaisselle, enfin tout ce que vous voulez, écrire, voilà. Mais là, marcher. Donc, le but, ça va être de marcher en conscience, c'est-à-dire de ralentir. Afin de sentir chaque pas, de mettre bien le poids de tout notre corps dans chaque pas. Vous pouvez même, je vous conseille si vous le pouvez, de faire cet exercice pieds nus, c'est encore mieux. Voilà. Je vous mettrai en lien même peut-être une vidéo d'une amie qui a partagé ça sur sa chaîne YouTube, tous les bienfaits de marcher pieds nus. Voilà, c'est également, ça permet de guérir certains problèmes, certains soucis. Donc, mais pour l'instant, on se concentre simplement sur la marche, c'est-à-dire de ralentir notre marche et de bien mettre le poids de notre corps dans chaque pas. Voilà, vous pouvez faire cet exercice-là. Et en faisant ça, vous laissez le corps vous faire avancer à son propre rythme. C'est le corps qui vous fait avancer, ce n'est pas vous qui décidez d'avancer. OK? Et vous vous concentrez simplement sur la sensation. La sensation de marcher, voilà. C'est le corps qui nous, voilà. Et vraiment, en fait, c'est comme un ancrage. On se reconnecte à la terre. Voilà. Vous voyez si vous arrivez à éprouver, c'est un petit peu ce que je vous dis. Cet ancrage, c'est un petit peu le plaisir d'être vivant, hein. Voilà. D'être vivant et également de bouger librement. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que je vous invite à faire, vous vous mettez les deux pieds à 20 cm l'un de l'autre, vous pliez légèrement les genoux et vous tendez le bras. Voilà, vous tendez le bras comme si vous donniez quelque chose à quelqu'un. Donc, genoux pliés, les deux pieds au même niveau et à peu près à 20 cm l'un de l'autre. Donc, premier exercice, vous tendez le bras comme si vous donniez quelque chose à quelqu'un. Et maintenant, vous allez sentir la différence. Vous faites la même chose, toujours genou fléchi, légèrement fléchi, comme si on allait faire un swing de golf. Et toujours les deux pieds à 20 cm d'écart, toujours au même niveau les deux pieds. Et là, cette fois-ci, au lieu de tendre simplement le bras, on va pencher notre corps vers l'avant et en mettant tout le poids du côté de la main qui va se lever. Donc moi, je vais lever la main droite. Donc je vais mettre tout mon poids sur ma jambe, sur mon genou droit, sur ma jambe droite. Et je vais faire le même exercice. Voilà. Et là, vous devez sentir une différence. C'est-à-dire que c'est tout votre corps qui participe à ce mouvement. Voilà. Tac. Tac. Moi, ça me rappelle quand on tire aux boules. Parce qu'on fait à peu près ça. Et ça fait une différence entre tirer droit comme un i et puis sans fléchir les genoux, sans faire participer tout notre corps. Et la deuxième technique qui consiste à bien épouser le balancier pour envoyer la boule. C'est deux façons de tirer qui sont complètement différentes. Voilà. Donc vous faites ce deuxième exercice. Tac.
On met tout le poids, je refais bien. Hop, on plie les genoux. Et là, avant d'envoyer le bras en avant, je mets tout mon poids sur le pied droit et j'envoie ma main. Et j'élève mon bras droit. Tac. Voyez? Essayez de voir ce que ça fait en vous. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et bon, la semaine prochaine, donc je continue une série, ça sera une playlist comme ça sur la spiritualité du corps. C'est en fait un petit peu des exercices de yoga, hein, mais enfin on verra au fil du temps. Il y aura peut-être une dizaine de vidéos où je vous donne ces exercices. À bientôt!